Ces passionnés ont remis en état les moulins jumeaux de la ville. Ils ont choisi Andrea pour fabriquer du pain avec le four à bois qu'ils ont réparé. Tu dis quand ça passe ? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ils posent les ailes pour remettre les moulins en route. Appuyez un petit peu, Laurent. Si tout va bien, le site accueillera bientôt ses premiers visiteurs. Tu peux lâcher, Laurent, lâche. Lâche tout, Laurent. L'opération est délicate. Chaque empennage pèse 400 kilos. C'est incroyable, la manière de faire, de poser les ailes, c'est spectaculaire. Je suis très contente d'être ici pour voir tout ça. On est un petit peu juste en hauteur. Les moulins, ça a toujours été quelque chose qui rassemblait les personnes. Ils se regroupaient, ils venaient boire un petit coup avec les meuniers et tout le monde dansait le soir, c'était la grande fête. Tire. Les deux édifices menaçaient de s'effondrer. T'es rendu ? Attention. Jusqu'à ce que le groupe de bénévoles décide de leur redonner vie. Après la Révolution, chaque moulin servait de moyen de communication aux paysans insurgés contre les républicains. Lorsqu'il était en jambe de pied gauche, ça voulait dire qu'il fallait reculer. Ah oui, et lorsqu'il était positionné à l'inverse, ça voulait dire d'arrêter. Hein? OK. Donc, rassemblement, quand les ailes étaient comme ça, c'était rassemblement. Ce qui a quand même valu au moulin d'être détruit en 1794. Après 4 heures d'effort, les deux édifices ont retrouvé leurs ailes et vont de nouveau pouvoir tourner. Les gars, le but c'est de mettre les vergues, du moins les ailes du moulin, face au vent. Sinon, il tournera pas. Donc vous poussez gentiment. La mécanique est grippée. La tâche est un peu plus compliquée que prévu. On peut pas trouver une autre solution. Vas-y. T'arrêtes pas. Même moi, dur. Vas-y, Jean-Marie, continue. Très bien. C'est parfait comme ça. Allez. Ça va marcher, ça va tourner, là, le moulin. Venez. Allez, c'est parti. C'est parti, là. Il y a du vent. Ah, bien, oui. Attention, chapeau qui s'envole pas. Voyons. Hein? C'est émouvant, c'est grandiose, c'est beau. Je crois qu'on va avoir du pain sur la planche. C'est exceptionnel aujourd'hui qu'il puisse être mis en route. C'est beau à regarder, à voir. Oui. J'imagine les gens trop froids. Désolé. Bravo, Jean-Paul. Les moulins tournent et la minoterie va reprendre du service.